Beth? Oi, Cíntia. Oi, oi. Nada, né? Não responde e não atende. Eu acho Prontinho. que ela tinha um Vamos problema ver. com o filho, mas ela falou que queria aparecer sim. Então a gente fica Ah. de olho. Se ela aparecer, você me fala, tá bom? Tá, pode Me deixar. passa uma mensagem. Tá, fica Pronto? tranquilo. Tchau. Ótimo. Prontinho, Podemos começar. podemos começar. Então, uma boa tarde para todos nós. Essa é a última atividade do nosso simpósio. Nós vamos falar hoje, nessa última palestra, sobre o centro Présences Compositrices, que é a presença das compositoras, e quem vai falar conosco é a fundadora, a diretora Claire Baudin, Madame Claire Baudin. Vou falar um pouco em português antes dela poder começar, e depois eu vou traduzindo a palestra como precisar, tá bom? Se vocês acham que não precisa dessa tradução, por favor, coloquem no chat, e a gente deixa esse vídeo online e podemos traduzir essa palestra depois, tá bom? Mas eu posso traduzir, se vocês acharem que está muito chato, eu paro com tudo isso e a gente só deixa o vídeo, depois colocamos a legenda, a tradução, ok? Então, vamos lá. A Présences Compositrices é o produto de ações realizadas há mais de 10 anos pela Associação Présences Féminines a favor da criação musical de mulheres. Movimentos que resultaram em uma notável programação de inúmeros concertos dedicados a este repertório, como parte de um festival com o mesmo nome. Dedicado à promoção de compositoras de todas as nacionalidades e todas as eras, Présences Compositrices espera responder às perguntas tão frequentes: quem, o quê, onde, como encontrar, oferecendo um grande número de recursos que são enriquecidos a todo tempo. Nesse sentido, demandei a Clara, contribui para este objetivo, sendo a única plataforma digital no mundo que se ocupa exclusivamente e progressivamente de compositoras e suas obras. A Madame Claire Baudin é a diretora do Centro de Recursos de Promoção Présences Compositrices, é criadora do Festival Présences Féminines, o único festival da França a explorar exclusivamente o repertório de compositores de todas as épocas e nacionalidades. Como escritora, ela publicou o livro de entrevistas com a compositora Camille Pepin, pelas edições Lanet, e seu primeiro romance, Le Fils d'Adrienne, o qual está sendo lançado neste mês pela edição Veyron. Bonjour et bonsoir, Madame Claire Baudin. Il est maintenant 8 heures du soir en France, alors nous remercions énormément pour votre présence ici pour nous faire connaître les actions et les fonctionnements du Centre Présences Compositrices. Alors, soyez bienvenue. Merci beaucoup. Boa tarde e muito obrigada por me convidar para falar sobre o Centro de Presença Compositrices. Nunca falei uma única palavra em português e essas palavras serão as últimas por hoje. C'était le plus dur pour moi. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier en français cette fois. Cynthia Aliretti, je voudrais vous remercier de m'avoir invitée dans le cadre de ce symposium. J'aurais bien sûr adoré comprendre et parler le portugais car l'ensemble du programme proposé avait l'air vraiment très intéressant. Mais malheureusement, je ne parle pas du tout le portugais et je la remercie donc de me permettre de faire cette intervention en français. Ok, então ela agradece pelo convite. Eu não sei se eu preciso traduzir isso, mas ela agradece. Ela adoraria conhecer o português, mas ela não compreende. Gostaria de conhecer o português para poder acompanhar todas as outras atividades. Mas então ela nos agradece por essa tradução. Alors, je suis très heureuse d'être invitée dans le cadre de ce symposium parce que même si beaucoup de personnes suivent maintenant nos actions en Europe et dans le monde, c'est la première fois en réalité que je suis invitée à les présenter de vive voix en dehors du territoire français. Então, ela está muito contente de ser a primeira vez que ela vai apresentar as ações desse centro que num lugar que não seja no território francês. Alors pour ce soir, je vous parle de Toulon, une ville située dans le sud-est de la France, sur les bords de la mer Méditerranée. Et c'est en général une ville que l'on connaît davantage parce que c'est un haut lieu de la marine nationale française, plutôt qu'un terrain d'expérimentation pour les compositrices. Mais c'est à Toulon qu'est né le projet
que je vais vous présenter et qui aujourd'hui rayonne sur le territoire national et, international. Então, ela vai falar dessa cidade, chama Toulon, que fica no sudeste da França e que é onde surgiu esse projeto internacional sobre as compositoras. L'équipe du centre Présence Compositrice est constituée de personnes qui habitent dans différentes régions de France, mais la présidente du centre, Béatrice Imhaus, et la chargée de communication, Jeanne Robin, habitent toutes les deux Paris, ville dans laquelle ont lieu la plupart de nos séances de travail et dans laquelle nous espérons prochainement avoir un bureau. Et je profite de ce moment pour les saluer puisqu'elles sont, je pense, toutes les deux spectatrices et auditrices de ce moment. Então, nós temos também aqui a Béatrice Imhaus, a presidente desse projeto, e a Jeanne Robin, que eu já também falei com ela por e-mail, que é a encarregada da comunicação, que estão aqui também, mas elas estão em Paris. Então, nós estamos falando de Toulon e de Paris, mas estamos aqui virtualmente, e enfim, acho que é isso. Alors, je vais d'abord revenir sur ce qui a précédé la création du Centre Présence Compositrice, puisque le Centre Présence Compositrice n'est pas né de rien, ni d'une récente prise de conscience de l'existence des œuvres et des noms de compositrices. C'est un projet qui s'est nourri de 15 ans de recherche et de programmation, et c'est cette expérience que je qualifierais d'expertise, qui nous a permis de déterminer les contours de l'action que nous menons aujourd'hui et que nous souhaitons continuer de développer. Então, é projet qui nasceu enfim, é projet qui tem 15 anos de existência, qui nasceu apenas da curiosidade, mas que é projet qui tem feito ações há 15 anos já. No sentido de incentivar a composição das mulheres. Cette expertise nous a notamment amené à considérer que le sexisme n'était pas la seule cause de l'absence des compositrices dans les programmations. Bien sûr, il est à la base de tout, puisqu'il a fondé les sociétés dans lesquelles nous évoluons, mais si nous voulons aujourd'hui faire changer les choses, et pas seulement dénoncer cette absence, il faut prendre à bras le corps d'autres paramètres qui lui sont historiquement liés, notamment celui de la difficulté d'accès aux œuvres. Então, essa iniciativa, ela nasceu também da necessidade de colocar esse sexismo. Eu acho que esse je pense que ce paragraphe est un peu long pour moi pour traduire. Alors, on va le traduire online. Après. Okay. Oui. Donc je déroule tout. Okay, merci, oui. En tout cas pour cet effort. Pour résumer, nous avons considéré que s'il était fondamental que les pouvoirs publics se saisissent de ce sujet, il ne suffisait pas pour autant d'émettre des feuilles de préconisation et d'organiser des colloques, mais qu'il fallait aussi se doter de moyens et d'outils pour passer réellement et durablement à l'action. Et à ce titre, les outils que nous mettons à disposition se veulent facilitateurs de ce passage à l'action. Alors, 4 dates symbolisent l'évolution de notre action. La première date, c'est 2006, après avoir presque par hasard découvert qu'il existait des milliers de noms et d'œuvres de compositrices et effectué ce que je qualifierais d'une sortie de l'impensé, j'ai décidé de passer à l'action et tout d'abord de créer un ensemble baroque à géométrie variable dont les programmes mettraient en valeur le répertoire des compositrices de cette époque, mais également certaines figures de femmes, muses, mécènes ou interprètes. Avec cet ensemble que j'ai dirigé pendant 10 ans, nous avons donné de nombreux concerts et contribué à faire découvrir plusieurs dizaines d'œuvres de compositrices telles que Elisabeth Jacquet de la Guerre ou Francesca Caccini, Barbara Strozzi, Isabella Leonarda, Julie Pinel, pardon, Françoise Charlotte de Menetou, Antonia Bembo, Anna Bonne, Bianca Maria Media ou Maria Xavera Perucona, etc. Une deuxième date, c'est celle de 2011, la naissance, la création du festival Présence Féminine. Très rapidement, je me suis en effet rendu compte que j'avais envie de pousser mes investigations beaucoup plus loin que ne le permettait la période baroque, et j'ai donc décidé de créer en 2011
le festival Présence Féminine. Ce festival a aujourd'hui 10 ans d'existence, 11 ans en fait bientôt, puisque la 11e édition sera programmée en octobre prochain. Elle aurait dû l'être là en ce moment, au mois de mars, et elle est reportée au mois d'octobre. Et ce festival a eu dès le départ pour vocation de focaliser sur les œuvres des compositrices de toute nationalité et de tout temps, avec le désir de leur permettre d'être jouées par de très bons artistes, femmes et hommes, dans les meilleures conditions possibles, de manière à permettre un repérage des œuvres qui pourraient ensuite venir s'insérer dans le répertoire traditionnellement défendu par les interprètes. L'idée d'un focus aussi pointu relève évidemment de la volonté d'expérimenter, d'être une sorte de laboratoire, et non d'un désir de cliver, de ghettoiser, comme certaines personnes peuvent parfois le craindre ou le penser. En 11 éditions, si on compte celles à venir, ce sera plus de 150 compositrices qui auront ainsi été jouées de l'époque médiévale à nos jours. Et ces éditions ont également permis à un public amateur de musique classique qui ne connaissait absolument pas ce domaine de l'histoire de la musique, de découvrir de nombreuses très belles œuvres. Et nous avons également très largement contribué à aider une jeune génération d'artistes français à s'intéresser au sujet. Par ailleurs, en 2017, le festival a commencé à passer des commandes d'œuvres et à accueillir des compositrices en résidence. En 2017, on a eu par exemple la très jeune Camille Pépin qui a été accueillie en résidence. En 2018, Tiziana De Carolis. En 2019, Michel Reverdy. En 2020, Edith Canachisi. Pour l'édition à venir, ça sera Suzanne Giraud qui sera en résidence. Et à toutes ces compositrices, on a passé des commandes d'œuvres. Je peux témoigner qu'en 11 ans d'existence, j'ai vu évoluer de façon très significative les propositions de programmes qui me sont faites chaque année. Les premières années, quasiment aucun artiste, que ce soit en solo ou en ensemble, n'était en capacité de proposer un programme composé à 100% d'œuvres de femmes. Souvent, leurs propositions mettaient en valeur des femmes au travers d'œuvres de compositeurs qui leur rendaient hommage, ou alors les propositions tournaient toujours autour des mêmes noms et œuvres de quelques compositrices un petit peu plus connues et plus faciles à identifier, telles que Lili et Nadia Boulanger, Cécile Chaminade, Clara Schumann, Fanny Mendelssohn. Ça n'allait en fait guère plus loin. Durant toutes ces premières années, j'ai donc passé beaucoup de temps à donner des idées, à me procurer des partitions, à les envoyer aux artistes, etc. Et par ailleurs, les artistes invités du festival se sont la plupart du temps produits avec des programmes qui, en fait, étaient pour eux et pour elles entièrement nouveaux. D'où d'ailleurs leur frustration de ne souvent pas pouvoir les rejouer, faute d'une plus grande ouverture d'esprit chez les programmateurs et les programmatrices. Alors, je constate que depuis 2 ou 3 ans, les programmes proposés sont généralement beaucoup plus souvent originaux, beaucoup plus riches et également souvent en lien avec des recherches musicologiques qui sont vraiment intéressantes. Je pense aussi et j'espère que ces programmes auront plus de chances d'être rejoués ou tout du moins que certaines des œuvres pourront continuer de vivre en étant insérées dans des programmes mixtes. Ça n'empêche pas les très nombreuses demandes d'aide que nous recevons, mais je vais y revenir plus tard. La troisième date, c'est celle de 2016. Devant le développement du festival et l'intérêt pour le sujet et la nécessité d'y passer beaucoup de temps, je décide de mettre fin à l'activité de l'ensemble Les Bijoux Indiscrets et de mettre en fait toute mon énergie au service du festival et de ses actions périphériques telles que des conférences ou des ateliers d'écoute. Par ailleurs, je dois dire que les moyens très insuffisants qui sont octroyés à notre action ne permettent plus non plus de mener toutes ces activités de front. De 2016 à 2020, progressivement, nous nous faisons de plus en plus connaître et l'idée de créer ce qui pourrait devenir un centre de ressources s'élabore petit à petit puisque en France, il n'existe alors aucune structure du genre de celle que nous imaginons et surtout, il n'existe aucune structure pouvant répondre aux besoins que nous avons identifiés et dont je vais reparler. Alors, cela ne veut pas dire qu'il n'existe dans ces années-là aucune action en faveur des compositrices sur le territoire français, bien sûr, mais elles sont pour la plupart du temps marginales et non pérennes. Durant des décennies, par exemple,
Les compositrices, du moins certaines d'entre elles, et souvent les plus connues, ont le droit de sortir des oubliettes le 8 mars, mais elles y retournent bien vite dès le 9 mars et pour le restant de l'année. Ou alors, elles ne sont traitées que comme une thématique d'un programme, d'un festival ou d'un concert, mais en réalité jamais comme un sujet sérieux méritant du temps, une étude attentive et des moyens financiers conséquents. Avant 2020, et parmi les quelques actions en faveur des compositrices initiées sur le territoire français, je voudrais quand même rendre hommage à l'association Femmes et Musique, qui a été créée en 2003 et qui reprenait alors une ancienne association créée initialement en 1904 et anciennement baptisée Union des femmes professeurs et compositeurs de musique. Cette association a notamment effectué un travail de publication de biographies de compositrices françaises nées dans la première moitié du XXe siècle, telles que Claude Arieux ou Elsa Barène. Je citerai aussi le Cercle de recherche interdisciplinaire sur les musiciennes, qui a été fondé en 2010 par les musicologues Catherine Deutsch, Florence Launay, que je salue puisque je sais qu'elle est dans cette salle, Raphaël Legrand, Bertrand Porot et Yacine Travé, dans le but, je cite, de fédérer, développer et donner une visibilité aux recherches sur les musiciennes en France. Je citerai aussi l'association Pluriel 34, créée à l'initiative de la compositrice Sophie Lacaze et qui relaie le travail des compositrices francophones des 20e et 21e siècles. Cette association est maintenant présidée par la compositrice Claire Renard. Et puis, dans le domaine de la programmation, je voudrais également rendre hommage au travail de la pianiste Lydia Jardon, qui, avec son festival Musicienne à Ouessant, programme depuis 20 ans une compositrice par an, donc c'est véritablement une action pionnière, et effectue ainsi un focus très intéressant sur l'œuvre et la vie de la compositrice programmée dans chaque édition. Alors, depuis 2020, bien sûr, d'autres initiatives fleurissent qui contribuent toutes à faire connaître les œuvres des compositrices, mais elles ne font pas l'objet de mon intervention de ce soir. En 2020, et après environ 2 ans d'élaboration, de recherche, de cogitation diverses et variées, nous lançons donc le Centre de ressources et de promotion Présence compositrice via la mise en place d'un site internet. Et là, je voudrais souligner l'action vraiment précurseuse, essentielle, qui a été apportée par la SACEM sous la forme d'une aide financière. Et peut-être, je ne sais pas exactement qui allait le public de cette intervention, donc je ne sais pas qui connaît la SACEM, mais je précise qu'il s'agit donc d'un organisme qui assure la collecte et la répartition des droits d'auteur pour la diffusion publique. Donc voilà, pour les compositrices et les compositeurs, c'est évidemment très important. C'est grâce à l'aide de la SACEM que nous avons pu donner naissance au Centre Présence Compositrice et à la base de données demandée à Clara. Ça a été pour nous une immense satisfaction que de voir ainsi notre travail soutenu et reconnu, même si je dois dire qu'à ce jour, beaucoup d'incertitudes, malheureusement, demeurent. Mais les choses évoluent. Les volontés politiques en matière d'égalité se sont mises en marche et dans le domaine particulier de la musique, tout secteur et esthétique confondus, on sent que les choses bougent, y compris dans le très traditionnel secteur de la musique classique. Il me semble cependant qu'il faut rester vigilant et se méfier de l'effet d'aubaine suscité par un certain nombre de dispositifs, car la prise de conscience par les institutions et les pouvoirs publics de l'intérêt que représente la mise en valeur des œuvres des compositrices, s'accompagne néanmoins parfois encore d'une certaine méconnaissance des besoins réels que nécessite un tel sujet. Encore une fois, il ne suffit pas d'imposer, il faut également développer les outils qui permettront à toutes ces œuvres d'être enfin prises en compte au sein des programmations les plus diverses, et cela de manière pérenne, et en ayant aussi le souci de mettre à jour et de programmer un répertoire qui ne soit pas limité à une liste de quelques œuvres et de noms qui serviraient seulement d'alibi. Si je résume le parcours que je viens de vous dérouler, je dirais qu'au départ, en 2006, j'ai plus agi en écoutant mon intuition que mes certitudes
Et ce n'est pas toujours très confortable d'écouter ses intuitions. C'est très anxiogène quelque part. La première intuition, c'était l'intuition de l'intérêt artistique que pouvaient représenter des milliers d'œuvres dont tout le monde était privé à son insu, que ce soit le public ou les artistes. C'est en effet toute une histoire de la musique à penser différemment en sortant de ce que la musicologue et sociologue Hyacinthe Ravet nomme des mensonges par émission. C'est une histoire de la musique qu'il fallait vraiment se réapproprier et relire d'une manière différente. Alors, cela ne veut évidemment pas dire que toutes les œuvres des femmes sont belles et bien écrites, et il faut, à mon sens, se garder de le faire croire, mais forcément, parmi elles, il y en a un certain nombre qui le sont et qu'il n'est pas juste de ne pas jouer. À ce titre, et sur le territoire français, on peut encore s'émouvoir de constater que beaucoup d'œuvres mineures, de compositeurs majeurs, sont régulièrement programmées, alors que des œuvres majeures de compositrices toujours considérées comme mineures pourraient l'être à leur place ou à leur côté. La deuxième intuition qui m'a guidée, c'est l'intérêt que pouvait représenter sur le plan sociétal la prise en compte des compositrices, des, en règle générale des créatrices et évidemment au sens large des femmes. Le domaine musical, y compris le secteur de la musique classique, ne pouvait pas continuer d'échapper à l'actualité, et sur le plan de l'égalité, les choses bougent, même si elles mettent du temps à bouger. D'autre part, l'impossibilité pour les femmes de se référer à de possibles modèles féminins m'a toujours touchée et interpellée à titre personnel. Dans le domaine de la composition musicale, j'ai aussi pu constater que de nombreuses compositrices de tout temps témoignent d'ailleurs de leurs difficultés ou d'un questionnement parfois anxiogène et potentiellement freinant à ce niveau. Alors, c'est vrai qu'en discutant avec des compositrices d'aujourd'hui, notamment des compositrices d'une génération qui ont aujourd'hui 60-70 ans, parfois certaines compositrices de cet âge-là s'émeuvent de n'avoir pas été prises pour modèle alors qu'elles existaient bel et bien. Mais elles oublient une chose essentielle, c'est qu'on ne mémorise généralement que ce qui a été souvent répété. Et avoir étudié ou écouté 5 œuvres de compositrices pendant 10 ou 15 ans d'études, et encore bien souvent ça n'est même pas 5 œuvres, ne permet pas d'intégrer durablement l'idée qu'elles existent et que leurs œuvres puissent avoir une quelconque valeur. Ma troisième intuition, c'était qu'à l'identique de ce qu'a été la découverte de la musique baroque dans la seconde moitié du XXe siècle, la musique des compositrices pouvait permettre une nouvelle et très intéressante remise en question de nos habitudes d'écoute et de programmation. Alors, bien sûr, ces trois intuitions se sont rapidement confrontées à de nombreuses difficultés et à des présupposés qui continuent d'exister encore chez certaines personnes, et notamment des présupposés en termes de quantité et de qualité. La quantité, pour certaines personnes, pendant longtemps, il n'existait pas ou il n'existait que très peu de compositrices. Alors, je pense qu'encore une fois, les choses ont évolué et je crois qu'il n'est aujourd'hui plus possible de penser que les compositrices sont peu nombreuses, à moins de vivre totalement coupées du monde et de l'actualité. Pour la qualité, leurs œuvres étaient et sont encore parfois pour certaines personnes, par défaut, toujours considérées de médiocre qualité. Alors, je me souviens de remarques qui ont été faites ou rapportées dans les premières années du festival, et en rapport justement à cette notion de quantité, une interlocutrice chargée de mission musique au sein d'une collectivité publique qui m'a demandé, par exemple, est-ce que cela pourra être une action pérenne ? Est-ce que créer un festival dédié aux compositrices pourra être une action pérenne ? Donc, bien sûr, cette question était légitime. Elle révélait simplement le manque de transmission en la matière, et c'était tout à fait légitime de se poser la question, même si elle était un peu inconfortable pour moi à ce moment-là. Et puis, pour la qualité, je l'ai souligné plus haut, je pense qu'il est très important de ne pas abuser de superlatifs pour parler des œuvres de compositrices, mais de tout faire pour découvrir dans d'excellentes conditions celles qu'il conviendra maintenant de ne plus oublier, et c'est tout l'enjeu de notre travail. 15 ans après les intuitions et après de multiples expériences,
et notamment de très nombreux retours des artistes et du public, je me sens donc aujourd'hui plus légitime pour parler d'expertise. D'une part, l'intuition de la richesse du répertoire a été confirmée et j'ai aussi pu constater que c'était un domaine susceptible d'intéresser les artistes et le public. Pour mener à bien, il y a deux ans, un mémoire universitaire, j'ai étudié plus de 400 témoignages d'artistes et du public recueillis dans le cadre du festival Présence Féminine. Et chacun de ces témoignages abondait dans ce sens. Alors, je vous en donne juste quelques-uns parce qu'on ne peut pas faire plus. Mais par exemple, Sarah Lavaux, pianiste, « Mille merci de la beauté de votre entreprise ». De la beauté des musiques que vous nous faites découvrir. Thomas Ravès, violoncelliste, merci de nous faire découvrir cette musique qui en vaut la peine, aussi bien au public qu'aux interprètes. Satoshi Kubo, pianiste, ce sont deux hommes, hein, donc voilà, les hommes sont aussi très partie prenante dans cette découverte et c'est très important. Grâce à ce festival, on a pu découvrir de superbes compositrices et musiques. Je veux continuer à étudier ce répertoire. Merci mille fois. Donc ça, je trouve que cet élément est essentiel. Je veux continuer à étudier ce répertoire. Et puis Marie Ittier, violoncelliste. Je suis ravie d'avoir découvert, grâce au festival Présence Féminine, la sonate pour violoncelle et piano de Dora Pejacevic. J'ai perçu dès la première lecture que c'était un chef-d'œuvre. Et j'espère pouvoir rejouer cette pièce afin de la faire connaître au plus grand nombre. Donc là, le mot est lancé, il existe des chefs-d'œuvre et ces chefs-d'œuvre, ils ne sont pas simplement reconnus par des militantes de la cause des compositrices, ils sont là nommés par des artistes qui sont finalement quelque part les plus légitimes, je trouve, pour parler de chefs-d'œuvre, surtout quand ils disent qu'ils ont après envie de les rejouer. Alors donc, on a recueilli énormément de témoignages et parmi ces témoignages, des questions aussi récurrentes qui ont été sous la forme de quatre petits mots, qui, quoi, où, comment. Et en fait, qui peut-on jouer, quoi, qu'est-ce qu'on peut jouer, en sachant que quand on n'a pas l'idée du nom de la compositrice, ben, on n'a pas non plus l'idée du titre de l'œuvre. Où trouver les œuvres, ce qui s'avère effectivement compliqué, et puis en gros comment, c'est-à-dire comment on s'y prend, par quoi on commence, c'est ce que j'ai éprouvé moi au début, il y avait quand même relativement peu de pistes pour savoir comment trouver son chemin dans ces terrains incognita que représentait la recherche en matière de compositrice. Et ce sont tous ces témoignages, toutes ces demandes d'aide d'artistes voulant jouer des compositrices, toutes ces questions qui parlaient aussi des difficultés rencontrées qui nous ont amenés à la création du Centre Présence Compositrice. Tout ce travail a été mené durant 15 ans avec des moyens absolument dérisoires, jusqu'à l'arrivée en 2019 du soutien de la SACEM dont j'ai parlé tout à l'heure, puis tout récemment du Centre National de la Musique. Et je crois pouvoir affirmer que durant ces années, j'ose le dire maintenant, j'ai souvent éprouvé quelque chose d'assez proche de ce que sans doute de nombreuses créatrices ont dû ressentir, c'est-à-dire l'impression de toujours travailler plus au service d'une cause qui laissait la quasi-totalité des acteurs et des actrices du secteur de la musique classique totalement indifférents, sans obtenir ni la visibilité, ni les moyens nécessaires pour développer correctement ce travail. L'importante reconnaissance dont nous bénéficions aujourd'hui est donc un facteur de très grande joie. Mais je dois encore insister et dire que nous sommes toujours dans un état extrêmement précaire sur le plan financier et que les choses vont aussi à ce niveau-là devoir évoluer pour que le travail puisse continuer dans de bonnes conditions. Alors, je vais maintenant rentrer dans le détail des actions du Centre Présence Compositrice qui a pour objectif d'être un outil à disposition un outil à 360 degrés mis à disposition de l'ensemble du secteur de la musique dite classique, qu'il s'agisse de professionnels ou de mélomanes. Pour résumer, nous souhaitons inciter, soutenir, accompagner toutes celles et ceux qui le désireraient dans ce domaine spécifique qu'est la création musicale des femmes. Et bien évidemment, si j'emploie le mot « spécifique », c'est parce que ce domaine de recherche nécessite encore des investigations particulières et une réflexion sur les outils à mettre à disposition.
Pour répondre aux interrogations qui, quoi, où, comment, le premier outil que nous avons souhaité mettre en place et qui est sans doute celui qui nous vaut aujourd'hui la plus large reconnaissance, ça a été de créer la base de données demandée à Clara. Alors, je pense que je ne surprendrai personne en disant que Clara Schumann est celle qui, durant des décennies, est toujours arrivée en tête de la question posée « Connaissez-vous des noms de compositrices ?» Alors, puisque tout le monde citait Clara Schumann, nous avons eu l'idée de la charger de cette mission importante de représenter les compositrices de tout temps et de toute nationalité. Et quand on pense que Clara Schumann doutait de sa propre légitimité en matière de composition musicale, je trouve que c'est pour elle une belle reconnaissance posthume. Donc, merci Clara Schumann. Demander à Clara a été créé avec quatre objectifs principaux. Le premier, c'était de faciliter en priorité l'accès aux œuvres en permettant pour cela l'utilisation de divers critères de recherche et de faciliter l'accès aux œuvres avec un support écrit. Le deuxième critère, c'était d'être d'une utilisation très simple, accessible absolument à tout le monde, professionnels comme mélomanes, amateurs. On ne consulte pas demander à Clara pour effectuer une recherche à caractère musicologique, même si nous souhaitons bien évidemment publier les informations les plus fiables. Le troisième critère, c'était de ne pas faire de demander à Clara une base de données qui attende de façon passive des visites, mais que ça devienne une base de données vivante inscrite au sein d'un panel d'actions porté par le Centre Présence Compositrice et en lien avec ces actions. En lien, par exemple, avec une programmation, un projet d'enregistrement, une actualité, une demande d'aide, etc. Et puis, le quatrième objectif, c'était en faire une base de données participative. Et pour cela, si vous êtes déjà allé sur le site, vous avez dû voir qu'à chaque fiche œuvre ou fiche compositrice est associée à un formulaire de contact qui permet à l'internaute de proposer une correction, d'ajouter une information, de demander une aide ou un renseignement. D'autre part, j'y reviendrai, mais la base de données se nourrit de partenariats et d'informations que nous recevons aujourd'hui du monde entier. Avant d'entrer dans un petit peu plus de détails donc, de ce que propose Demander à Clara, je voudrais juste rendre visible les personnes qui travaillent sur cette base de données et envers lesquelles j'ai une très grande reconnaissance. Tout d'abord, Laetitia Cotave, qui est responsable en titre de la base de données et qui fait un formidable travail. Merci Laetitia, je sais qu'elle est dans cette salle, donc je la salue et la remercie. Francis Pareizo, qui est également, je crois, dans cette salle, qui est aussi contributeur permanent et qui réalise d'ailleurs depuis peu des vidéos et également des playlists. J'y reviendrai tout à l'heure. Je remercie aussi plusieurs étudiants et étudiantes qui sont sollicités par le centre, que l'on contractualise, ce ne sont pas des étudiants bénévoles, on leur fait un contrat, et qui ont déjà rentré plus de 1600 œuvres qui représentent les catalogues complets de 34 compositrices, et ils sont encore au travail pour la prochaine actualisation de juin prochain. Et puis, Florence Launay et Frédéric Duopa, qui sont d'éminents musicologues et professeurs, qui rédigent pour les fiches de compositrices plusieurs biographies. Et je voudrais aussi mentionner le conseil scientifique du centre, qui n'a pas encore pris la pleine mesure, on va dire, du travail qui pourra être effectué, qui est d'ailleurs en partie constitué des personnes qui ont fondé le Cercle de recherche interdisciplinaire des musiciennes de recherche sur les musiciennes que j'ai citées tout à l'heure et qui sont toutes, et Bertrand aussi, d'éminents musicologues français. Et je citerai spécifiquement Florence Launay, dont je vous ai parlé tout à l'heure, Cynthia, qui est l'autrice d'un livre qu'il faut absolument avoir quand on ne l'a pas déjà, sur les compositrices du 19e et édité aux éditions Fayard, et qui est un des livres fondateurs, je dois dire, qui a initié en fait aussi mon passage à l'action. Donc voilà, merci à tout ce monde-là. Alors, pour revenir à Clara, donc aujourd'hui, la base de données, donc en fait, cette base de données, elle est née le 21 juin, hein, donc elle n'a que 9 mois d'existence.
Elle est riche de 11 295 fiches œuvres, de 1084 fiches compositrices, ce qui est très peu, hein, une goutte d'eau dans l'univers des compositrices, qui représente 68 nationalités et 10 siècles de musique. Et c'est très dommage parce que j'ai juste oublié un S à siècle, donc je le rajouterai par la suite. Le fonctionnement de cette base de données est actuellement le suivant. On mise sur 4 mises à jour par an. On en a déjà fait 2. La prochaine est prévue en juin. Et à chaque fois, les mises à jour consistent en fait en un apport assez important d'œuvres et de noms de compositrices, ce qui va générer de la création de nouvelles fiches, des corrections et des ajouts dans des fiches existantes. Donc là, je dois dire qu'on n'arrête pas de corriger et d'ajouter. On travaille beaucoup à l'amélioration de la navigation. On travaille aussi à des ajouts ou à des modifications de critères de sélection. On prend en compte les très nombreuses demandes qui nous sont envoyées via les fiches de contact du site ou par mail. Et on traite et on insère les données transmises par nos partenaires ou transmises par les compositrices. Et à ce sujet, on aura probablement bientôt un formulaire spécifique de contact pour les compositrices, de manière à les mettre elles aussi un peu au travail, puisqu'elles peuvent nous envoyer des tableaux, elles pourront nous envoyer des tableaux pré-remplis. Alors, on est évidemment très heureux de ce résultat déjà, mais il faut savoir qu'on a tout à fait conscience qu'on est encore à la recherche du meilleur fonctionnement possible pour cette base de données qui, je le répète, n'a que 9 mois d'existence et qui est donc destinée à évoluer considérablement dans les mois et dans les années à venir. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on peut demander à Clara ? On peut, quand on arrive sur l'interface de demander à Clara, on peut rechercher soit une œuvre, soit une compositrice, et on va disposer de critères de sélection et d'une barre de recherche qui est en bas, dans laquelle on peut rentrer un mot-clé, éventuellement le nom ou prénom d'une compositrice, un titre, un nom d'instrument, un pays, une date. Mais ce qui est, je trouve, encore plus intéressant, on peut rentrer l'auteur ou l'autrice d'un texte. Et puis, on peut rentrer aussi, par exemple, une thématique. Si on a envie de faire une recherche sur la nature dans les œuvres des compositrices, ou la lune, ou la nuit, ou l'amour, ou je ne sais quoi, on peut rentrer ce terme-là dans la barre de recherche et on va avoir une liste qui va à ce moment-là arriver. Je précise juste que le comportement du moteur de recherche est un petit peu le même qu'un moteur de recherche comme Google, c'est-à-dire que les résultats les plus pertinents seront en début de liste, et plus on va à la fin de la liste, plus les rapports avec ce qu'on a demandé vont nous échapper. Quand on sélectionne l'option œuvre, on va se trouver avec des choix qui vont nous permettre d'accéder à de la sélection du piano. Ça va aller du piano solo à l'orchestre, en passant par la musique vocale, instrumentale, avec électroacoustique, etc. Toujours pour des œuvres qui ont un support écrit, si possible édité ou avec une référence pour y accéder. Donc une référence, ça peut être les bibliothèques ou les ayants droit qui nous autoriseraient à communiquer leurs coordonnées. Donc là, il y a encore un énorme travail à faire parce qu'il y a encore beaucoup d'œuvres qui apparaissent dans notre base de données qui ne sont pas reliées à un lieu ou à une édition. Des critères de sélection qui sont regroupés en 4 grandes catégories, l'époque, la durée, la nationalité et les formations. Et en ce qui concerne le critère formation, nous avons actuellement 7 sous-catégories qui vont de l'instrumental solo, la musique de chambre avec supérieur ou égal à 9 instruments, l'orchestre avec soliste, la musique vocale, l'électroacoustique, et ensuite des sous-catégories qui sont aujourd'hui au nombre de 100. Donc, encore une fois, c'est un travail qui est en évolution. Quand vous sélectionnez une fiche œuvre, vous avez accès à une fiche détaillée qui comporte le titre, le complément de titre. Le complément de titre, par exemple, si vous avez un titre qui est, je cite, « Oh God », qui est une œuvre d'Edith Canaccisi, on ne peut pas savoir si c'est un quatuor, un quintet ou une sonate pour flûte. Le complément de titre va permettre de spécifier que c'est un quatuor à cordes. La date de composition, la durée, la formation, l'effectif, l'édition quand il y en a ou une indication.
qui va permettre de trouver la partition, des notes, par exemple, sur la création, un lien vers la fiche de la compositrice, si c'est, oui, un lien vers la fiche de la compositrice, des liens utiles, et puis la mention du contributeur ou de la contributrice ou des contributeurs ou contributrices, et puis cette fameuse fiche contact qui va permettre de nous apporter des précisions supplémentaires ou de corriger une erreur, etc. Il nous est souvent demandé, c'est une demande très récurrente, s'il est possible de télécharger des œuvres directement sur notre site. Alors, c'est techniquement faisable, mais nous n'avons pas encore travaillé sur cet énorme chantier qu'on aimerait bien mettre en place, mais pour le moment, ce n'est pas à l'ordre du jour. Et puis, nous avons aussi très souvent des demandes d'écoute d'œuvres. Alors, actuellement, nous renvoyons sur ce que nous appelons nos listes conseils, qui sont dans l'onglet ressources de notre site internet, ou sur les playlists que nous publions en partenariat avec une plateforme de streaming qui s'appelle Vialma et avec laquelle nous travaillons. Et donc, une fois par mois, le Centre Présence Compositrice, grâce à un de nos contributeurs qui est donc Francis Parezo, publie une playlist du Centre Présence Compositrice. Quand vous cherchez une compositrice, il faut savoir que pour que la compositrice soit présente dans notre base de données, il faut au préalable qu'on ait rentré au moins une œuvre. On a pris ce parti de ne pas donner des listes de noms de compositrices, mais vraiment de partir de l'œuvre, en fait, et pour faciliter justement l'accès aux œuvres. Actuellement, il y a 1084 donc, compositrices dans notre base de données, c'est encore très peu. La plus ancienne, c'est Cassia de Sienne, vers 810, et la plus jeune, c'est Élise Bertrand, une jeune compositrice française qui est née en 2000, et on a donc 68 nationalités représentées. Donc, toutes ces compositrices, comme je l'ai dit, sont donc reliées à leurs œuvres, et on peut les sélectionner en fonction de la nationalité, de l'époque, et également ajouter des critères qui concernent la formation souhaitée, instrumentale, vocale, etc. Pour ce qui est des biographies des compositrices décédées, notre souhait est de proposer simplement quelques lignes qui, en fait, peuvent aussi être facilement insérables dans des notes de programme, par exemple. Ça peut être un outil à destination des programmateurs et programmatrices. Et puis, pour les compositrices d'aujourd'hui, qui ont évidemment des biographies qui sont susceptibles d'évoluer et on le leur souhaite, nous renvoyons au centre spécialisé. Par exemple, pour la France, à la Maison de la musique contemporaine, qui est dirigée par Estelle Laurie, avec laquelle nous avons un partenariat qui est en construction, ou alors on renvoie au site personnel des compositrices, et là, on a parfois des aventures un peu particulières, parce que les sites des compositrices sont parfois des vrais chantiers de guerre. Hein, donc, il y a du travail à faire parfois avec certaines d'entre elles. Par ailleurs, dans les prochains mois, nous allons réaliser un gros apport de photos pour enrichir ce pan de notre base de données. Les fiches compositrices donc, proposent le nom, le prénom, la photo en cours, quelques lignes de bio ou renvoi, donc ça c'est en cours aussi, évidemment les dates de naissance et de mort, la nationalité, les liens utiles, les œuvres qui sont déjà référencées dans Clara, donc évidemment on a des compositrices qui ont des catalogues entiers, mais on a encore des compositrices pour lesquelles on n'a rentré que quelques œuvres parce que voilà, le chantier est en cours. Le nom, bien évidemment, de la personne qui a rédigé les lignes de biographie, donc pour le moment, Florence Launay et Frédéric Duopa, et puis la fameuse fiche contact. Pour enrichir et perfectionner cette base de données, nous avons de nombreux projets, parmi lesquels développer évidemment les partenariats en France, notamment donc avec la Maison de la musique contemporaine que je viens d'évoquer, mais également avec plusieurs autres structures avec lesquelles nous travaillons sur un champ qui est vraiment intéressant parce qu'en fait, il n'y a pas chez ces autres structures d'entrée genrée. Donc, il n'y a pas une entrée compositrice ou compositeur, tout est mélangé, ce qui ne rend pas évidemment la recherche facile. Et donc, ces structures travaillent avec nous pour exporter leurs données compositrices dans la base de données demandée à Clara. Bien évidemment, on renvoie vers le travail effectué, il n'est pas question de nous l'approprier. En revanche, on retraite les données et on les actualise, ce qui représente quand même une énorme quantité de travail. Et ce travail-là, on est actuellement en train de le faire avec le Centre d'art choral de la Cité de la Voix,
Et on va le commencer très prochainement avec le Centre international de la mélodie française, dirigé par le grand baryton français François Leroux. Mais on travaille aussi avec de très nombreuses associations et on va être amené évidemment à travailler, je l'espère, avec des centres spécialisés à l'étranger qui aussi ont commencé parfois à nous contacter. Dans les projets, on souhaite aussi la création d'un espace donc, dédié aux compositrices d'aujourd'hui, de manière à ce qu'elles aient toujours un œil sur l'évolution de leur catalogue. On a envie aussi de les inciter à travailler à nos côtés, qu'elles puissent nous faire part de modifications éventuelles, ajouter, supprimer une œuvre, etc. On a pour projet un rapprochement avec des éditeurs de musique pour envisager des téléchargements ou visionnages de partitions ou d'extraits de partitions. Il est évident que les éditeurs vont nous donner des extraits, une première page, une seconde page, des choses comme ça. Un travail de tissage de liens avec des structures et autres bases de données dans le monde, ça je l'ai déjà dit. On est en train de préparer une campagne de diffusion pour présenter la base de données Clara dans les lieux d'enseignement et de diffusion du spectacle vivant. Et je suis très heureuse d'ailleurs d'avoir de premières demandes, notamment des demandes d'orchestre, qui nous invitent pour présenter devant les musiciens d'orchestre la base de données. Donc ça, on se réjouit vraiment de cette perspective. Et puis, dans les projets à court terme, évidemment, on va publier un premier bilan d'activité pour cette première année d'existence de Clara, qui a déjà été quand même, enfin, qui sera déjà très, très riche. Alors, pour peut-être terminer sur le Centre Présence Compositrice, le Centre Présence Compositrice a d'autres actions et nous souhaitons que la base de données demandée à Clara fasse partie, en fait, de cet ensemble d'outils mis à disposition de toutes et de tous. Et donc, pour cela, on propose un magazine en ligne qui propose des articles qui sont regroupés sous trois intitulés « Elle compose »,« Il et elle joue », »,« Il et elle programme ». En résumé, nous sommes partis de l'idée, somme toute assez cohérente, que puisqu'elle compose, on doit pouvoir les jouer et les programmer. Et donc, en fait, les articles qui sont des articles à caractère non scientifique, ce ne sont pas des articles universitaires, c'est essentiellement des interviews relais en fait des actions qui sont portées par des programmateurs, des programmatrices ou des artistes ou des compositrices. On a aussi des publications donc là à caractère plus universitaire, des articles. Là pour le moment il n'y en a pas encore beaucoup, mais il y en a quand même certains, notamment de Florence Launay. On a commencé des publications de catalogues et là, on s'est aperçu que chez certaines compositrices d'un certain âge, l'accès au numérique est compliqué, voire a été impossible. Et donc, on a estimé qu'il était de notre devoir, et c'est un réel plaisir, d'aider ces compositrices à mettre en état de marche leur catalogue et de le publier. Et donc là, on a publié le catalogue de Pierrette Marie, qui est née en 1929 et qui n'a jamais eu accès à Internet. On a publié le catalogue d'Edith Leger, qui, elle, a un accès à Internet, mais qui avait quand même un gros travail à faire sur son catalogue. On a publié le catalogue de Charlotte Sowy, qui, elle, est décédée, donc n'a pas pu nous donner son avis, mais en tout cas, son petit-fils était très heureux du travail. Et on a, en prévision pour la fin de l'année, d'ici la fin de l'année, on va publier le catalogue de Michel Foison et le catalogue de Yvonne Desportes, qui comporte à peu près 500 œuvres. Voilà, ça, c'est pour l'année, en fait, jusqu'à la fin 2021. Dans ces publications, il y a aussi des listes ressources de centres, de références. Donc, tout ça doit être mis à jour régulièrement et on va s'y employer. On a une part, bien évidemment, de programmation avec le festival Présence Féminine qui va dorénavant porter le nom de Présence Compositrice pour qu'on essaye d'être un peu moins confusant. Alors, je sais que c'est un terme de la chargée de communication qui est suisse. Alors, il n'est pas très français, mais je l'emploie comment quand même. Hein, donc, ça porte à confusion, Présence Féminine et Présence Compositrice. Donc, ça va être le festival Présence Compositrice. On a des actions de diffusion qu'on espère développer. On souhaite développer aussi tout ce qui est conseil à la programmation et on a déjà plusieurs demandes dans ce sens d'orchestres et de conservatoires, notamment de banlieues parisiennes, qui nous demandent de les accompagner dans des événements assez importants en faveur des compositrices.
de leur conseiller des œuvres, de leur conseiller des compositrices. J'ai par exemple récemment conseillé le directeur d'un orchestre au Japon qui voulait inviter deux jeunes compositrices françaises. Mais on peut aussi passer des co-commandes. Enfin voilà, dans ce domaine d'aide à la programmation, il y a plusieurs projets en cours. Des outils pédagogiques qu'on va mettre en place, dont des playlists et vidéos à destination du grand public. Une première vidéo a été publiée récemment, réalisée par Francis Parezo sur la compositrice croate Dora Pejacevic. On espère pouvoir travailler sur de l'édition musicale et notamment symphonique, puisque le nerf de la guerre, si on veut évidemment donner accès à un répertoire méconnu, c'est évidemment de travailler sur de l'édition. Et les éditeurs de musique qui ont pignon sur rue ne sont pas intéressés par ce qui est du domaine public, dans le domaine public. On espère pouvoir travailler là-dessus. Et on est en train de travailler à la création d'un label discographique, Présence Compositrice. Un premier enregistrement a été réalisé début mars avec la pianiste Célia Ntoben Saïd sur les 18 pièces d'après la lecture de Dante de la compositrice française Marie Jaël. Et on a 5 autres projets dans les 2 ans à venir. Et puis, on espère aussi donner naissance à une collection d'albums jeunesse. Alors nous, en France, les gens de ma génération se souviennent, j'ai 55 ans pour ne rien vous cacher, se souviennent des fameux petits ménestrels, les vies des grands compositeurs. Et évidemment, il n'y avait jamais une compositrice parmi ces grands compositeurs. Donc nous, on a envie de créer quelque chose qui ressemble à ça, avec une collection d'albums pour des jeunes adolescents, on va dire, l'âge où il est important de commencer à prendre en compte justement ce domaine de la création musicale des femmes. Et on a un premier album qui est en cours sur la vie d'Elisabeth Jacquet de la Guerre. Et donc, je vais terminer en fait cette intervention par quelques chiffres. On est très heureux vraiment de la très belle revue de presse qui est la nôtre aujourd'hui, avec plus de 70 articles sur le plan national et international. Donc ça, on s'en réjouit évidemment infiniment. Et il y a d'autres chiffres qui nous réjouissent, c'est que depuis le 21 juin, on a eu 37 000 connexions à notre site. Et je pense que c'est vraiment un chiffre très réjouissant. Je ne sais pas si aujourd'hui il y a beaucoup de sites dans le domaine de la musique classique qui peuvent se targuer d'avoir vraiment un nombre aussi important de visites. Et j'ai tout à fait conscience qu'on est dans une période où la musique classique est déjà considérée comme une niche, et que nous, on est la niche de la niche avec les compositrices, et que donc, 37 000 visites dans notre petite niche, on trouve ça plutôt encourageant. Et il y a d'autres choses qui nous semblent aussi très encourageantes, évidemment, c'est le nombre de pays qui ne cesse d'augmenter dans les visiteurs et utilisateurs et utilisatrices de la base de données. Et puis, on voit évoluer aussi ce très joli camembert de couleurs. On voit évoluer les tranches d'âge. Aujourd'hui, la majorité des utilisateurs et utilisatrices ont entre 25 et 34 ans. Alors, soyons clairs, les 25 et 34 ans, ce ne sont pas les programmateurs et les programmatrices qui, eux, évidemment, sont plutôt dans la tranche d'âge 45-65 ans. Donc, on les invite à être encore plus nombreux à consulter notre base, mais on est en train de faire évoluer les choses et on voit déjà que les chiffres bougent. Mais ce chiffre des 25-34 ans, il est quand même porteur d'espoir. À mon sens, pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont probablement des artistes, des musiciens et des musiciennes qui vont donc faire évoluer le répertoire des concerts et des enregistrements. Ce sont aussi, pour les plus jeunes d'entre eux, des jeunes artistes qui peuvent demander à leurs enseignants de leur apporter quelque chose en matière de compositrice. Et on a un peu la même démarche finalement en écologie. On voit qu'en écologie, ce sont les plus jeunes qui poussent les plus vieux à bouger, parce que si on attendait que les plus vieux bougent, ça ne bougerait pas. Donc là, dans le domaine des compositrices, on voit que c'est un petit peu la même chose. Donc je trouve ça très bien. Et puis, on peut aussi imaginer que ces jeunes sont le public des concerts de demain, et qu'en tant que public du concert de demain, ils vont avoir une demande, une exigence de voir ces compositrices programmées. Donc ça, c'est aussi très réjouissant. Et puis, bien évidemment, et ce n'est pas la moindre des choses, on peut aussi imaginer que ces jeunes vont adopter l'égalité comme mode de vie,
dès le départ de leur vie à la fois sentimentale, personnelle et professionnelle. Et ça, on ne peut que le souhaiter. Et donc, je terminerai avec d'autres chiffres. Alors, qui sont aujourd'hui, on a plus de 50 demandes d'insertion depuis la création de la base de données le 21 juin. On a eu 50 demandes d'insertion de compositrices d'aujourd'hui qui n'y figuraient pas, qui nous ont contactées de France, Allemagne, Brésil, Canada, Espagne, Italie, etc. Enfin, ça n'arrête pas. On a d'innombrables demandes d'aide d'étudiants et étudiantes musiciennes qui souhaitent qu'on les aide à trouver une œuvre, qu'on leur donne une idée, qu'on les mette en contact avec des ayants droit, etc. On a de plus en plus de demandes de conseils et d'aide à la programmation de structures et de programmateurs et programmatrices. Et on a énormément de propositions de contributions à la base. Donc, en gros, on est totalement débordés. On est très heureux et on n'avait pas complètement prévu en fait, cette masse de courriers à traiter. Donc, on s'organise petit à petit, mais c'est quand même évidemment très réjouissant et, je pense, très révélateur du fait qu'on ne s'est pas trompé d'outil. Il fallait donner naissance à ce centre et il fallait donner naissance, je pense, à cette base de données. Donc, voilà, ça, c'est une petite image de nos partenaires. Alors, évidemment, quand on voit tous les logos, on peut penser qu'on est très, très riche. Ça n'est pas le cas, malheureusement. Mais je les cite évidemment quand même avec un grand remerciement spécifiquement à la SACEM et au Centre National de la Musique, ainsi qu'aux partenaires de la première heure comme la DRAC, voilà, la représentation de l'État en région en France, la DRAC PACA. Voilà, et puis je vous remercie de m'avoir écouté si longuement et j'arrête là mon interview. C'est nous qui vous remercions. C'était une très, très étonnante conférence parce que ce n'est pas seulement une base de données, c'est un programme pour l'aide des compositrices, pour la présence des femmes musiciennes dans le monde de la musique classique. C'est super. Alors, il y a des éditions. Il y a des CD, labels, comment on se dit, labels discographiques et tout ça. Des projets, oui. Oui, oui. Alors, il y a une question ici, en fait, deux questions. Il y a une question de Bianca Mahetti, je peux vous dire. Alors, merci beaucoup pour cette présentation, c'est un très beau projet. Vous avez fait mention d'une volonté publique croissante pour l'égalité homme-femme dans la musique dite classique, en même temps que vous évoquez votre état financier précaire. Pourriez-vous préciser comment cette volonté se traduit en action et quels sont les réels impacts? Alors, évidemment, c'est la question, merci de la poser, parce que c'est une question, effectivement, c'est un vrai paradoxe. Souvent, je dis qu'on est, le Centre Présence Compositrice, on est une espèce d'ovni dans le paysage culturel français. Et par deux fois, je me suis entendue dire par des représentants de collectivités publiques territoriales qu'on ne m'a, en fait, on ne m'a rien demandé. On ne m'a pas demandé le Centre Présence Compositrice. C'est un petit peu comme si on avait demandé, je ne sais pas moi, à qui on a demandé d'inventer la puce de la carte du téléphone portable. Ou, voilà. C'est vraiment, en fait, quand j'ai commencé à travailler en 2006, et pendant 15 ans, je me suis trouvée dans une très grande solitude. Et là, j'emploie le jeu à dessein, parce que si aujourd'hui, j'ai la sensation d'avoir une petite équipe autour de moi, pendant des années, j'étais réellement seule. Donc, les changements, en fait, je pense qu'il y a une vraie volonté de la part de l'État français, déjà en matière d'égalité, ça c'est clair, il y a des actions qui sont portées. Dans le domaine de la musique classique, des structures comme le Centre national de la musique s'emparent du projet égalité. Il y a maintenant des commissions égalité qui sont dotées d'un budget d'1 million d'euros quand même pour aider des projets. Donc nous, on est aidés à ce titre-là par le Centre national de la musique et différentes structures publient des chartes pour lutter contre le sexisme, les inégalités, les violences sexistes dans les milieux festivaliers, etc. Mais c'est vrai que nous, on attend une reconnaissance financière de la part du ministère de la Culture.
clairement, qui pour le moment n'est pas arrivé sur le plan financier. Une autre question. Il y a aussi, si je peux me permettre, oui. Est-ce que je peux me permettre de compléter ? Il y a des préconisations qui sont émises au plus haut niveau de l'État qui incitent aussi à ce qu'on pratique le alors c'est un mot un petit peu compliqué, le principe de l'égal conditionnalité, c'est-à-dire qu'en fait il y a une espèce de menace qui plane sur le fait que les subventions ne seront plus octroyées s'il n'y a pas un principe d'égalité respecté sur par exemple la programmation, sur le fait d'engager des femmes chefs, des femmes solistes, des femmes chorégraphes, des femmes metteuses en scène, etc. Donc pour le moment ce sont en fait des préconisations. Est-ce qu'il y aura réellement un passage à l'acte, j'en sais rien, mais en tout cas il y a une vraie incitation, mais c'est vrai qu'il faut aussi donner des moyens financiers pour en fait il faut donner des moyens financiers à des structures expertes et il faut engager les structures qui sont déjà fortement financées à repenser leur budget et à ne pas forcément elles demander des moyens financiers supplémentaires. Vous voyez, il y a quelque chose de de créer une culture qui, oui, oui, fait ça. Alors, une autre question avec mon français. Ok, merci beaucoup, c'est d'Elodie et Bini. Et pourriez-vous dire quelques mots sur la question de l'édition et des partitions des compositrices, puisque la musique circule aussi grâce à cela? Est-ce que présence compositrice aide les compositrices à se frayer un chemin dans le monde de l'édition? Alors, pour le moment, clairement non, mais j'aimerais beaucoup. C'est-à-dire qu'évidemment, ça pourrait faire partie des je sais que c'est très compliqué, c'est vraiment… et effectivement, sans édition, enfin moi, je suis atterrée de voir le nombre de partitions chez des compositrices d'aujourd'hui qui n'ont jamais été publiées, jamais créées, jamais été publiées. Donc, on aimerait, mais pour le moment, on n'a pas les moyens de le faire. Mais par contre, ça pourrait faire partie des objectifs si, effectivement, on a des moyens financiers plus importants dans les années à venir, quoi. Alors, j'ai une question. Alors, vous avez parlé de la suggestion et de programmation. C'est un problème, je pense que c'est génial, ça. Parce que le problème avec les catalogues, les bases de données, est qu'on a beaucoup de données, hein, beaucoup de compositrices, et c'est très difficile de choisir. Alors, pour programmer, c'est une conjonction des actions pour nous, hein, pour la direction et pour les chefs d'orchestre, tout ça. Alors, c'est une conjonction de choses. Alors, si on veut choisir une compositrice pour un programme déterminé, pour un concert déterminé, c'est difficile de les faire se communiquer que, OK, on a une compositrice dans ce programme, alors c'est très important. Mais la meilleure chose que je pense, c'est quand on a un thème ou un contexte qui dialogue avec les autres pièces pour un programme mixte, par exemple, quand on a parlé. Alors, j'ai vu dans les sites web la session aide à la programmation, et j'ai vu, c'est superbe, parce qu'on n'a pas ce type de choses dans ces bases de données. Il n'y a qu'une base de données, il y a des CD, tout ça pour qu'on nous fait... nous faisons notre recherche nous-mêmes, hein, et OK, alors notre choix, c'est notre choix à partir de quelque chose qu'on a créatif, hein, mais cette aide à programmation, je pense que c'est super parce qu'on a cet incentif, cette chose que nous fait, OK, par exemple, vous pouvez mettre dans votre programme cette pièce ici parce qu'elle parle de ça. Alors, est-ce que vous pouvez parler un peu plus de cette session? Oui, bien sûr. Merci déjà de tout ça. En fait, cette idée d'aide à la programmation, elle est vraiment née de l'expérience que j'ai menée pendant 11 ans, en fait, en tant que directrice du festival Présence Féminine, puisqu'en fait... j'ai rencontré des artistes qui avaient vraiment envie de jouer des compositrices, mais qui étaient totalement perdus
devant l'immensité de la tâche, en fait, et la difficulté de la tâche. Donc, c'est vrai que de leur conseiller des œuvres que je connaissais déjà, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, ou que mon équipe connaît déjà, c'est une façon un petit peu, vous savez, c'est comme un sentier de grande randonnée qui a déjà été un peu balisé, en fait. Alors, bien sûr, c'est très excitant de baliser le sentier aussi soi-même. Ça demande beaucoup de temps. Donc, nous, on ne veut pas se substituer à la volonté éventuelle de quelqu'un qui aurait envie de faire cette recherche, bien sûr. On n'est pas là pour donner des conseils, ou faire la leçon de morale, bien sûr. Mais on sait très bien que les programmateurs et programmatrices, et on sait aussi très bien que les artistes n'ont souvent pas le temps et souvent pas la volonté, parce que, en fait, vous le savez aussi, s'occuper des compositrices, c'est passionnant, il faut être passionné, en fait, par ce sujet-là. Donc voilà, donc nous, en quelque sorte, on est là pour mettre des petites balises sur le sentier et pour éviter aussi peut-être, alors on peut faire des erreurs, bien sûr, mais pour éviter aussi des erreurs qui seraient préjudiciables aux compositrices. Parce que leur conseiller, par exemple, une œuvre qui serait vraiment, vraiment très mal écrite, ça serait pas bien. Donc là, on leur conseille des œuvres qu'on sait pertinemment bien écrites. Et pour les orchestres symphoniques, par exemple, c'est particulièrement important, parce que là, il y a une vraie méconnaissance dans le domaine symphonique, encore plus cruciale, je pense, que dans le domaine de la musique de chambre. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Quels sont les critères pour insérer les œuvres des compositrices dans votre catalogue? Comment ça marche? Très bonne question et je vais vous faire une très mauvaise réponse. Pour le moment, c'est très compliqué. Déjà, il y a les compositrices du passé qui sont décédées et il y a les compositrices d'aujourd'hui. Alors, pour les compositrices d'aujourd'hui, on va travailler avec la maison de la musique contemporaine parce que, effectivement, on reçoit parfois des sollicitations qui sont fantaisistes. Et on voit très bien qu'il y a certaines compositrices qui ne sont pas des compositrices qu'on a envie de faire figurer dans la base de données. Et c'est très compliqué parce que comment dire non et comment argumenter un non dans ces cas-là. Donc là, on va s'abriter, j'ai envie de dire, derrière l'expertise de la Maison de la musique contemporaine, dont c'est le boulot, et on va travailler avec cette structure pour essayer de déterminer des critères qui peuvent être... Alors, c'est compliqué parce que si, par exemple, on dit « bah oui, bah si cette compositrice est éditée, déjà, on l'admet, mais en même temps, on sait très bien qu'il y a des compositrices qui n'arrivent pas à se faire éditer. Donc, ça serait très injuste de partir de ça. Si on dit, sont des compositrices qui ont déjà eu, par exemple, 3-4 commandes de structures importantes, on la met dans la base de données. Ah bah oui, mais parfois, justement, il faut aider les compositrices qui n'ont pas encore eu de commandes et qui devraient en avoir. Il faut les aider et être dans notre base de données peut les aider à avoir des commandes. Donc, vous voyez, c'est assez compliqué. Et pour les compositrices du passé, alors pour le moment, on travaille, c'est vrai, avec de l'aide. Par exemple, typiquement, le livre de Florence Launay va nous aider à sélectionner des compositrices françaises parce qu'elle a fait ce travail de déchiffrage, d'expertisation des œuvres, etc. On sait très bien qu'il y a aujourd'hui, dans la base de données demandée à Clara, des œuvres qui sans doute ne valent pas la peine et qu'on va peut-être enlever. Et il y en a beaucoup qui seraient susceptibles d'y rentrer, qui n'y sont pas encore. Mais il faut pas non plus, on n'est pas non plus censé faire le travail de tout le monde. Il faut aussi que les musiciens aillent déchiffrer, se fassent leur propre opinion et puis fassent aussi leur propre travail. Hein. En portugais, pardon. Gente, tem mais alguma questão? YouTube? Não. Denise e Cláudia, querem perguntar alguma coisa? Não. Alors, elles sont très timides. très, très timides. En personne, Cláudia est une chef d'orchestre brésilienne. Elle a dit qu'elle était fascinée par votre conférence. Wow. Et moi aussi, Denise est une compositrice brésilienne.
Elle est professeure de composition aussi de l'Université de Campinas. Denise, quelle pregunta? Bonsoir. Bonsoir. Il y a longtemps que je ne parle pas français et je voudrais bien vous dire que votre travail est merveilleux et que nous sommes ici au Brésil des kilomètres derrière. Mais nous avons à l'Université de Campinas qui organise cette rencontre. Et nous avons un centre de documentation, une filiale du Centre de documentation de musique contemporaine, oui, que j'ai coordonné pendant sept ans. Et alors, je me demande de aussi contribuer. Oui, bien sûr. D'une sorte de travail qui pouvait faire des œuvres des compositrices brésiliennes un peu plus visibles, en montant peut-être comment est-ce qu'il y a servo, Cíntia? Eu acho que é uma base de dados, que você quer dizer? Não é dados, é partituras, né? De partitions, une base archive. De partitions. C'est un archive de partitions. Une archive de partitions qui pouvait alimenter les groupes de musicaux pour jouer cette musique ici au Brésil. Mm-hmm. Je crois que ça serait un bon premier pas ici. Oui, mais très... Je crois comme vous que les choses plus importantes, ce ne sont pas tout simplement des bases de données. Mm-hmm. Et avec les noms, avec quelque chose de biographique, mais les œuvres et les performances des œuvres. Mm-hmm. Et c'est ça que je crois qu'on a la chance d'initier ici à Campinas. Mm-hmm. Oui, mais tout à fait. Alors, nous, c'est vraiment... D'abord, bravo pour votre français. C'est vraiment super. Et on a très envie de créer des liens comme ça, de tisser des liens avec des centres dans le monde entier. Donc, je vous invite vraiment à nous envoyer un message, un mail, pour qu'on puisse trouver la manière de travailler ensemble. Et j'ai mon équipe... encore une fois, qui pourra aussi travailler, enfin vraiment, oui, avec grand plaisir. Et vous pouvez, quand on sera sorti du Covid, je serai ravie que vous m'invitiez au Brésil, parce que je n'aime pas du tout le Brésil. Donc, voilà, avec grand plaisir. On a une étudiante vénézuélienne qui nous a contactés récemment et qui est maintenant, qui va étudier à la Sorbonne en France et qui va nous apporter beaucoup de contributions sur les compositrices vénézuéliennes. Et donc voilà, c'est comme ça en fait qu'on va enrichir la base de données et qu'on va pouvoir s'apporter mutuellement des choses. Et j'insiste aussi sur le fait que comme on a aussi ce festival, il y aura aussi peut-être, alors évidemment ça dépend des moyens financiers dont on va disposer, mais il peut aussi y avoir des échanges pour de la programmation dans le cadre de mon festival, dans le cadre du festival Présence Compositrice, pardon, et dans le cadre, après, peut-être vous aussi, d'une programmation, il peut y avoir des échanges. Ah oui, bien volontiers. Oui, merci, oui, c'est bien. La première chose que je ferai, va être, comment ils font l'éventamento? J'ai perdu les mots en français. Faire une liste des œuvres des compositeurs que nous avons déjà dans les CDMC Unicamp. Oui. Et nous avons quelque chose, pas beaucoup, mais nous avons quelque chose. Et alors, on peut écrire pour les compositrices qui nous envoient, en cherchant qui nous envoient ces œuvres, ces partitions, et pour monter, pour composer cette archive. Bien sûr. Je crois que c'est un bien. Et alors, on peut vous écrire qu'est-ce qu'on a déjà, qu'est-ce que nous avons déjà. En fait, la démarche que font déjà plusieurs associations ou plusieurs structures, c'est de nous envoyer un mail
de se présenter. Et après, en général, c'est moi souvent, je réponds d'abord et après, c'est Laetitia qui contacte. Et on voit comment, comment on peut initier un travail en commun. Donc c'est absolument ce qu'on veut faire. Donc, c'est, ça serait formidable, vraiment. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense qu'on doit terminer parce qu'il est très tard en France. Non, ça va, il est 21h, c'est pas tard en France, il n'y a pas de problème. Non, mais on peut faire peut-être une conférence pour oui, avec grand plaisir. Cette chose, oui. Mais on ne peut parler au privat de cette chose, de ce projet. Bien sûr. De partager ce projet. On a une orchestre ici, on a un centre, on a beaucoup de choses. Vous avez aussi beaucoup de musicologie dans le centre, beaucoup de, des actions, c'est superbe, tout le festival. C'est immense, je pense que c'est immense. Là, on a beaucoup. Et c'est dommage qu'on n'a pas une traduction, mais ici, une traduction live. Cette conférence, mais on va faire la traduction après et tous les gens peuvent savoir qu'est-ce qu'on a parlé. Très, très riche. Alors, je vous remercie vous et votre équipe. C'est tout, oui. Tout le monde ici, je pense. Je pense qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, oui. Je suis très, très contente. Et pardon pour mon français. C'est non, c'est difficile. On ne parle, pas jamais. On ne parle jamais de français. Alors, je vous remercie. Je vais faire quelques mots en portugais pour confirmer le symposium. C'est la dernière activité. Et merci, moi aussi je vous remercie beaucoup Cynthia et je vous remercie tous d'avoir écouté. Vraiment, c'est un grand plaisir. Le plaisir est à moi. Merci. Gente, muito obrigada por estarem conosco. Acho que a gente conseguiu fazer um pouco desse diálogo com as mulheres que estão fazendo alguma coisa para mudar um pouco o tema. Mensagem em francês ainda. Para essas mulheres que estão fazendo, estão mexendo nesse mundo, como vocês puderem perceber, o mundo da música de concerto é um nicho do nicho, como diz a Claire, né? Então, é uma coisa muito difícil, né? Já é o nicho do nicho. Então, a música de concerto das mulheres ainda é mais um dentro desse nicho do nicho do nicho, né? Então, assim, essa é uma primeira conversa. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante o que a gente falou. Como eu disse a ela, essa palestra nós vamos traduzir depois, né, para as pessoas que não conseguiram acompanhar, nós vamos traduzir depois. O simpósio inteiro vai ficar online. Não tem, se vocês tiverem alguma coisa para comentar, para falar comigo, eu sou uma pessoa super acessível, entre em contato pelo Facebook, eu respondo rápido, muitas mulheres falaram comigo pelo Facebook, respondo rápido, sugestões para uma próxima edição, vocês já deram bastante, eu vou acatar todas, acatamos já, mas eu espero que tenha sido um momento que a gente possa ter pensado cada um no seu universo, mas em conjunto, que a gente possa melhorar um pouco esse universo da música de concerto, das mulheres, participação das mulheres na música de concerto no Brasil e, quem sabe, no mundo inteiro, tá bom? Muito obrigada. Je vous remercie encore une fois à vous et à Florence. Florence était là aussi. Et toutes les Françaises qui sont ici, qui ne parlent pas le portugais, je vous remercie. Et à la prochaine, j'espère vraiment à la prochaine, ok? Alors, merci beaucoup. Merci. Ciao. Ciao.